allé voir un chimiste qui nous a dit de faire comme ça, mais on va pas dire comment. C'est, il faut manger des trucs spéciaux le matin et le soir. Des radis noirs. C'est ça le secret. Et du sable. Et du gingembre. Du sable. Ça croque. De culture en général, de culture musicale assez différente, et en même temps on a vite eu envie de se plonger dans ce qu'on connaissait pas. Je crois qu'on a le nez dedans, c'est plus facile de faire tout à donf, faire des concerts tous les jours, des interviews tous les jours, et après qu'on se concentre sur la suite de notre carrière. Bah, au début, on saute en l'air quand même quand on sait qu'on va faire tous ces festivals. On saute en l'air ou on a peur, hein. Ouais, un peu les deux, mais c'est ça. Y a un truc vraiment palpitant. Surtout qu'en face de nous, il y a la loge d'Iggy Pop et de Peaches. L'autre fois, on était avec Radiohead, on se retrouve encore aujourd'hui avec The Hives, ça va faire la troisième fois. Avec les Baby Shambles, etc. C'est juste que... Non, mais c'est cool, en même temps. On côtoie des mythes tous les jours. C'est cool. Ça fait pas très longtemps qu'on est un peu plus à l'aise sur scène, donc au début ça a été très dur de se hisser au rang où les gens voulaient qu'on soit. C'est-à-dire que l'album, oui, il était assez mûr, le live, ça a mis du temps. Il fallait vraiment travailler beaucoup, très dur, et en plus on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps. On apprend tous les jours, et encore aujourd'hui, il y a des concerts qui sont réussis, des concerts qui sont moins réussis. Un truc qui nous gêne vraiment, c'est qu'on travaille plus vraiment en fait en tournée. Ça fait 7 mois que c'est très difficile de se poser, de revoir les défauts. Les seuls trucs qu'on peut faire, c'est de regarder les vidéos après les concerts, mais on peut pas les travailler, on joue que de la musique sur scène. C'est vachement dur. J'adore cette vie, on a vraiment découvert ça, moi je m'y attendais pas du tout, c'est vraiment le dernier truc auquel je m'attendais dans ma carrière de musicien, et j'adore ça moi, enfin, je pourrais encore tourner des... Juste si on avait un petit peu de temps pour rentrer en studio, enregistrer des nouveaux. Franchement, le plus dur dans une tournée, je pense, c'est de prendre son pied tous les soirs.